mars, faut faire quelque chose, c'est quand même la journée des femmes. Oui, ça suffit le sexisme. Ouais, je suis d'accord, les mecs, c'est vraiment des relous. Moi, je vais faire mon exposé à ma place. Je pense que faudrait une action symbolique, hein. Un truc qui va toucher tout le monde. C'est ça, c'est exactement. Moi, je pense que ça va changer grand-chose. Hein. Non, mais t'as vu ça, Hugo? Vous pouvez pas vous habiller correctement, là? Quoi? On peut s'habiller comme on veut, en fait. C'est pas du respect, là. C'est tout ce que je dis. Quoi? Parce que tu regardes mon nombril? Je te respecte pas? T'énerve pas, Sarah. Non, mais elle a raison. On va pas cesser de dicter comment on doit s'habiller. Non, moi, ça me gêne. J'ai pas envie de voir son nombril. C'est sûr qu'à part le sien, y a pas tellement de place pour les autres. Hein. Quoi, tu rigoles, toi? Je sais pas, c'est drôle. Ouais, dégagez maintenant. Quoi, qu'est-ce que tu vas faire? J'hésite, mais j'ai sûrement trouvé quelque chose à couper. Bon, mais elle est folle. On se retrouve au stade, là, sur le terrain. Vous êtes moins fiers. Bien joué, Sarah. Ah, tu l'as cassé. Waouh, c'est vraiment cool. J'adore. Tu décides! Je vois même pas pourquoi t'hésites! C'est quoi ton problème? Je sais très bien que c'est toi qui as pourri le t-shirt d'Hugo! Je vois pas. Et ça, c'est quoi? Bon, vous avancez là? Bah, dis ça à ta copine! C'est elle qui bloque! Pourtant, y'a pas photo, elle ferait mieux de prendre une pomme pour sa ligne! Bon, ok, je sais ce gâteau. Oh, mais elle est folle cette meuf! On peut s'asseoir? Non, il n'y a plus de place. Allez. Bon, les filles, il serait peut-être temps de trouver un terrain d'entente, non? Ce n'est pas parce que c'est ton petit frère, Hélène, que tu dois le défendre. Ouais, c'est avant tout des garçons. Hein. Et nous, des filles. Et donc? Et donc? Et donc? C'est eux qui nous agressent, Hélène. Grave. Alors là, pour le moment, c'est plutôt vous qui nous harcelez et pas l'inverse. Tout de suite les grands mots. C'est parce qu'on est nombreuses que vous en prenez pas à nous, hein, c'est tout. Non, on ne veut pas se battre. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'ils se croient les plus forts. Exactement. Simon, n'en rajoute pas. Mais je vais pas me laisser insulter tout le temps. Mais... je suis plus fort que toi à la course, par exemple. Hein? Je te prends quand tu veux. Ok, bah vas-y, on y va, pas de problème. Allez chercher une civière, vite! Il faut la transporter à l'infirmerie! Bon, allez au vestiaire, le cours est terminé maintenant. Toi, Simon, on réglera ça plus tard. Tout va bien, tu t'es évanoui. Je crois que c'est le choc. Tu ne sembles pas avoir de traumatisme. Tu as peut-être eu un moment de faiblesse. Tu es peut-être anémie. As-tu déjà tes règles? Bah, qu'est-ce que tu fous? Bah, je vais aux toilettes. Tu veux te faire lâcher ou quoi? C'est ici les toilettes des garçons. Ça doit te prendre sur la tête, toi. Bah, tu viens pas? En fait, mais j'ai plus trop envie d'y aller. Pourquoi j'y vais? D'accord. Ça va? Pas super. Il y a un truc qui cloche. Tu t'es fait mal? Je sais plus, j'ai une gamine.
C'est comme ça que je réconforte mon petit frère d'habitude. Je ne suis pas ton frère. Hein? Comment ça? Je ne suis pas ton frère. Je t'ai cherché partout. Je n'ai pas envie d'être avec les autres. Je suis désolée, mais comment c'est possible? Je me suis rien à la fermerie et ta copine est dans mon corps. Oui, Simon. Alors, ça fait quoi de faire le ménage? C'est un boulot pour les femmes, non? C'est bon, hein, t'es contente? C'est ce que tu voulais? Non, ce que je veux, c'est retrouver mon corps. Ce que tu m'as volé. Je t'ai rien volé, Sarah. Je ne veux pas de ton corps, je suis un garçon. Alors, ça fait quoi d'être une fille? Tu te sens plus fragile? Plus exposée? Tu as peur? Pas du tout, tu exagères tout. Hé, hey, doucement. Va pas abîmer mon corps, Simon. Salut, je peux m'asseoir? T'es sûr? Tes copines nous regardent, là. Arrête. Il faut qu'on change, que l'on parle de ce monde. Ça, pour changer, on a changé. Hein. Vas-y, assieds-toi. Merci. T'as fait des gâteaux au chocolat? Oui, t'en veux? Vas-y. T'as basculé de nouveau. Nous sommes redevenus nous-mêmes. Mais j'ai découvert le monde avec les yeux de Simon. Et moi, ceux de Sarah. On est différents, certainement. Mais on se comprend mieux maintenant.